Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la variante numéro 5, donc la variante sans événement. Avant de commencer, laissez un petit like, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, cela m'aidera grandement dans mon parcours. Donc, on se lance, je prends mon Doom 5 étoiles, 6 étoiles, mon Venom, Spider-Man furtif et Symbiote suprême. Donc, on regarde les lignes une par une. Donc, on a une ligne immunité debuff. Donc, aucun debuff ne s'est fait. Une ligne fléau. Une ligne super-pouvoir super-pouvoir 1, imbloquable, plus efficace et gain de pouvoir de 100%. Et une ligne armure et contre-attaque. Donc, lorsqu'on fera un super pouvoir, l'ennemi va gagner une barre de pouvoir. Donc, la première ligne que je prends, c'est la ligne contre-attaque. Donc, chaque fois que l'on va lancer un super pouvoir, l'ennemi va gagner une barre de pouvoir. Là, il a la borne Great Responsibility et Great Power. Donc, avec tous les champions du Spider-Verse, si on fait 3 Dext, Évasion, où on manque l'attaque de leur respect, on va gagner une charge de responsabilité. Lorsqu'on a 3 charges, les buffs se convertissent et pendant 10 secondes, ils feront en sorte que les attaques ignorent l'armure, les résistances et l'imbloquable. Donc, et on ne peut pas gagner de responsabilité lorsqu'on a grand pouvoir. Donc, le chapitre 1 est fait pour les champions du Spider-Verse. J'y vais avec Venom. Je décide de garder furtif pour un peu plus tard dans la ligne. Donc, la stratégie avec cette ligne contre-attaque, surtout contre Kaïd. Kaïd, qui son super pouvoir 1 est beaucoup plus facile à éviter que son SP2. Donc, on essaie de provoquer un maximum le SP1 du Kaïd. Donc, on provoque, on attend. Avec Venom, ce qui est plus difficile de provoquer les spéciaux, c'est qu'il prend beaucoup de distance lorsqu'il recule. Donc, l'intelligence artificielle fait en sorte qu'il est moins porté à lancer ses SP. Donc, je m'approche, je suis acculé au mur. J'ai le temps de lui faire provoquer son SP1. Donc, jusqu'à présent, ça va plutôt bien. Un conseil, si vous ne voulez pas faire les SP2 des autres champions, je vous conseille de ne pas lancer de SP pendant le combat. Donc, peut-être des personnages qui ont des debuffs sur une période de temps, comme Venom qui va faire saigner, mais avec Kaïd, ça ne fonctionne pas, car il va probablement modifier ses debuffs saignement en buff passif. Donc là, j'essaie de lancer mon SP3 et qu'il reste en dessous de 2 barres de pouvoir. Ce n'est pas réussi. Donc il sera à 2 barres de pouvoir précisément. Je prends quelques coups. On essaie de provoquer son SP1. Donc, son SP2 fait très mal dans la garde et je n'ai toujours pas réussi à l'éviter à 100%. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'éviter son SP1 que son SP2. Donc, il reste 65%. Donc, le fait qu'il a la borne armure, donc 90% d'armure, fait en sorte qu'il encaisse beaucoup. Donc, des combats peut-être un peu plus longs. Donc, la ligne numéro 2 avec Pyramide X peut être une aussi très bonne option comme ligne facile, mais Pyramide X peut être assez difficile à vaincre si on n'a pas les bons champions. Donc, c'est pour ça que je me lance sur la ligne contre-attaque. Donc, il reste 24%. On continue à provoquer les SP1. Je suis à mon SP3 et je ne le fais pas. Donc, j'attends, car je ne veux pas qu'il remonte à 2 barres de pouvoir. Je veux garder le maximum de vie possible.
Donc, chapitre 1. Donc, tous les champions du Spider-Verse comme Spider-Man Cosmic, Spider-Man Miles Morales, Spider-Man Furtif, Spider-Man Stark, Spider-Gwen aussi, je crois. Donc, et Spider-Man classique aussi. Donc, tous ces champions feront en sorte que les chapitres 1 vont être beaucoup plus faciles. On va faire plus de dommages, on va ignorer l'armure, les résistances et les imbloquables. Donc, prochain combat, on a Punisher 2099. Donc, Punisher 2099, j'ai décidé d'y aller avec Furtif pour tester la borne Great Responsibility et Great Power. Donc, Spider-Man Furtif, qui est un excellent champion. Seule problématique avec Furtif, c'est qu'il prend très cher dans la garde, donc il faut bien gérer les interceptions. Donc, là, je lance mon SP1 pour avoir le buff critique. Il est presque à son SP3. Donc, voici, on a un buff de responsabilité, car on a évité une partie de son SP1. De son SP2, pardonnez-moi. Donc, on a le buff actif maintenant, donc on va ignorer l'armure, la résistance. Donc, on va faire beaucoup de dommages avec ce buff. Donc, il reste déjà 34%, mais à moi, il me reste 36%, 31% même. Donc, plus difficile à gérer avec Spider-Man Furtif lorsqu'on a des champions que l'on n'a presque pas le choix de prendre des dégâts dans la garde. Donc, peut-être Furtif à éviter pour ce type de combat. Sinon, Spider-Man est excellent pour le 1.1, 1.2 de la variante 5. Prochain combat, nous avons Doctor Doom. Doctor Doom, je me suis pratiqué énormément dans l'abîme des légendes. Donc, avec Doom, c'est rendu plutôt facile comme combat. Donc, on tient la garde. On le pousse, on monte en SP1. On le pousse rapidement à son SP3 avec les décharges. Et une fois qu'il est à son SP3, on lance notre SP1. On est rendu avec deux barres de pouvoir. On tient la garde. Donc, on l'évite de faire de lancer son spéciaux. On monte en SP3, on lance notre SP3. Et chaque dégât d'énergie fait monter les charges à Bishop, qui fera en sorte qu'il prendra des dégâts d'énergie à partir de 30 charges. Donc, là, il est étourdi, il monte à 31 charges. Donc, il prend 2600 par seconde. Donc, ça monte très, très, très rapidement. Et je crois que je n'ai même pas le temps. Je lance un deuxième SP3 et le combat est fini. Donc, lorsqu'on a Doom et qu'on se bat contre Bishop, on doit vraiment tenir la garde tout le long du combat. Car si on évite mal son SP2, par exemple, et il est au-dessus de 30 charges, ça va nous faire très, très mal. Donc, on tient la garde le plus possible. Et on lance nos SP3, on est et SP1 pour voler son pouvoir. Ensuite, prochain combat, on garde la ligne contre-attaque. Donc, combat War Machine, Iron Man Infinity War et Havoc. Donc, trois combats qui peuvent être plutôt complexes. Donc, War Machine qu'on va prendre beaucoup dans la garde s'il lance son SP1. Iron Man Infinity War... puisqu'on n'a pas la torche, on n'a pas les bons champions nécessairement contre lui, quoique Venom peut être une excellente option. Donc, pour War Machine, je me lance avec Doom. Je sais que mon furtif est presque mort, donc je laisse tomber la borne globale du chapitre 1 pour y aller avec Doom. Donc, et je me dis avec Doom, on va pouvoir... purger beaucoup de buffs d'armure et les buffs de furie, surtout à partir de 25% de santé, je crois, avec War Machine. Donc, on fait la mécanique où je monte en SP3, War Machine est au-dessus de deux barres de pouvoir. Donc, mécanique qui marche toujours très bien, qui fait beaucoup de dégâts.
Donc, c'est vraiment une mécanique à pratiquer si vous avez de la difficulté à maîtriser Doom. Donc, on le remonte à 3 barres de pouvoir, notre SP1. On monte à 2 barres. Et là, j'essaie de le remonter à 3 barres, ce qui est réussi. Donc là, on va avoir 2 buffs de Fury. War Machine est à 50%. Et on va le voir fondre assez rapidement. Donc 20% presque de santé sur le SP3. Et là, SP2, SP1, SP2, le combat se termine. J'ai oublié la borne contre-attaque qui fait en sorte qu'il a monté à 3 barres de pouvoir. Donc ça aurait pu me coûter très cher. Mais le combat s'est terminé. Ensuite, Iron Man Infinity War. Je décide de me lancer avec Doom, je crois. Ou Spidey Furtif. Non, j'y vais avec Doctor Doom. J'aurais dû y aller avec Venom pour commencer le combat. Et, bref, on fait la mécanique. Donc, on frappe, on charge les attaques puissantes qui étourdit notre champion. Donc, faut faire attention avec Iron Man Infinity War, où, à 4 armures, il va nous bloquer automatiquement. Puisque nous ne sommes pas en QA, puisque nous ne sommes pas en GA, c'est le 4 armures, ça n'est pas grave, on ne sera pas étourdi, donc l'intelligence artificielle n'a pas la maîtrise parade. Donc le blocage automatique va seulement bloquer et nous ne nous étourdirons pas. Donc on continue la mécanique, voyez-vous, blocage automatique, je n'ai pas été étourdi. Je lance mon SP1 et je lance... J'essaie de remonter en SP3, mais je n'aurais pas dû, j'aurais dû lancer tout de suite mon SP2. Puisqu'Iron Man Infinity War, on doit faire attention à les armures. Donc, nous sommes mieux de tout de suite lancer nos SP au lieu d'attendre et essayer de faire trop de manipulations en même temps. Donc, on monte à 2 barres, je relance mon SP3. Et avec les armures, plus la borne qui a 90% d'armure, on fait très peu de dégâts. Donc, là, je crois que je lance mon SP2. Et non, il lance son SP2 avant, et je lance le mien. Donc, à 67%, donc on fait quand même beaucoup de dégâts, 1083 par seconde, avec un buff de Fury, donc ça m'aide grandement dans le combat. Et je prends quelques coups. Donc, il lui reste 32%. Donc, nous approchons des 15% tranquillement. 15% Iron Man Infinity War. Avec le buff d'armure, il va gagner du pouvoir. Et puisque nous n'avons pas réussi à le purger... le buff d'armure de la borne globale, de la borne de la ligne, excusez-moi, à 15%, il va gagner constamment du pouvoir, même si c'est buff d'armure expire. Donc, on arrive à 2 barres de pouvoir, on lance notre SP. Donc, animation qu'on voit peut-être beaucoup trop souvent, mais en même temps, rend... le combat tellement plus efficace, la Fury fait beaucoup de dommages. Donc il a bloqué automatiquement. Là on voit son pouvoir monter beaucoup et le buff d'armure qui est présent, vous voyez qu'il continue à monter en pouvoir. Donc je lance SP1, j'essaie vraiment de maîtriser son pouvoir. Et le truc, c'est vraiment, lorsqu'il nous charge, on bloque, on double parade, on reparade et attaque puissante, puis on provoque l'SP. Donc, s'il ne nous charge pas, on provoque l'SP et on les évite.
Et si elle nous charge, on doit parade et faire une attaque puissante. Ou lancer notre esprit. Là, il est son troisième spécial. Je décide de foncer pour taper dans sa garde pour ne pas qu'il active son SP3. Ce qui met fin au combat. Arrivé au Havoc, je remarque que je n'ai pas de champion avec armure. Mais je me dis, Venom peut avoir un buff d'armure. Donc, ma façon de procéder est de croiser les doigts, de commencer le combat avec un buff armure. Puisque je n'en ai pas, je dois provoquer les attaques puissantes pour essayer d'en avoir un. Donc, je croise les doigts, explosion de plasma, le combat se termine. Donc, si j'y vais avec Doom ou Symbiote Suprême, ce sont des attaques d'énergie. Donc, le combat automatiquement se termine. Je me dis, je vais essayer de faire quelque chose avec Spidey Furtif. Essayer de faire un maximum de dommages. Mais chaque coup critique de Furtif va faire monter les charges de plasma d'Avoc. Donc, Furtif, vraiment pas une bonne option. Mais je me dis, je vais essayer de faire le plus de dommages possible avant de continuer. Et là, je vois qu'il me reste que 3 champions avec des dégâts d'énergie. Donc, je réanime Venom et je croise les doigts, encore une fois, de commencer avec un buff armure. Et, selon Kabam, il ne me le donne pas. Donc, première attaque puissante, j'ai mon buff armure. Donc, maintenant, je peux faire des segments, des critiques. Avoir les explosions de plasma, je ne prendrai aucun dégât. Donc, d'autres options pour ce Venom, pour ce Havoc. Rapidement, comme ça, je n'en vois pas. Je ne sais pas si on a des champions mystiques qui ont un buff armure. Les héros du Spider-Verse en ont pas. Et les symbiotes, je ne crois pas non plus. Peut-être Venom de Doc. Qui pourrait avoir son buff, mais il ne dure pas indéfiniment. Donc, je crois que Venom est une très bonne option pour ce Havoc, mais il faut avoir de la chance. Et si on ne commence pas le combat avec notre buff d'armure, il faut provoquer il faut faire des attaques puissantes pour changer nos buffs pour un buff armure. Donc, on provoque le SP2 d'Havoc qui est plus facile selon moi à éviter que le SP1. Mais puisque Havoc gagne continuellement du pouvoir, je trouve le combat plutôt stressant. Donc, il le fait avant de monter en SP3, donc je suis très content. Il reste 24%. Donc, le combat est presque terminé. Je tombe dans le Assassin. Donc, il reste 8%, je lance mon SP3. Ce qui met fin, je crois, ou presque au combat. Donc, Venom, très bonne option pour ça. Donc, on provoque le SP2, car il reste 3%. Je crois que je pourrais juste simplement attaquer, puis le combat va se terminer. Ensuite, nous arrivons au boss. Donc, Captain Marvel, qui, elle, peut être difficile à vaincre, car elle a 90% d'armure et charge puissante, immunité. Donc, charge puissante fait en sorte que ses attaques puissantes et ses charges sont immunisées au debuff et inarrêtables. Elle est immunisée contre les debuffs, donc on ne peut pas parade. Soutien mystique, donc il aura 95% de chances d'éviter les purges de debuffs. Donc, ce qui rend le combat difficile, en gros, c'est la charge puissante et l'immunité étourdissement. Donc, quand on combat contre des personnages immunité étourdissement, on va beaucoup
intercepter. Comme là, je décide d'intercepter avec charge puissante, elle est inarrêtable, donc je prends un combo au visage. Et c'est souvent ce qui fait que ça rend le combat difficile. Donc là, je prends un coup, je lance mon SP3. Jusqu'à présent, ça va relativement bien. Mais il faut toujours garder en tête que nous ne pouvons pas intercepter pendant le combat. Donc, j'ai fait mon SP3. Le debuff étourdissement est passif de Doom, donc on peut l'étourdir par chance. Donc, je provoque l'attaque puissante. En gros, la stratégie est, on provoque l'attaque puissante, on contre-attaque, on provoque les SP, on contre-attaque, et une autre option qui peut être très bon pour le combat, c'est de faire des reparades. Donc, à chaque coup de combo, au lieu de tout prendre dans la garde, on peut parade sur chaque coup que Captain Marvel va faire. Donc, on va prendre moins cher dans la garde si on fait parade, au lieu de « je parade mon premier coup et je bloque le reste ». Donc, Captain Marvel, avec sa capacité d'absorber lorsqu'elle bloque, elle monte un peu plus rapidement en SP. Donc, ça facilite un peu aussi le combat et la provocation des spéciaux. Donc, il me reste 33% de santé. Je suis à mon SP3, elle est à son SP1, j'essaie de la monter en SP2. Et je lance mon SP3. Donc, on répète la mécanique. On étourdit, on lance notre SP3, on étourdit, on fait notre combo moyen-moyen, léger-léger-léger, moyen-moyen. Et on lance notre SP1. On monte à 2 barres de pouvoir. Je lance mon SP2. Elle est immunisée au debuff, donc elle ne sera pas incinérée. Par contre, le SP2 fait quand même beaucoup de dommages avec le buff de Fury. Et je crois que je manque une interception où j'essaie d'intercepter et j'ai un combo en plein visage. Donc, j'ai mon symbiote suprême full life. Donc, j'y vais avec lui. Et là, on va voir la différence de résistance entre Dr. Doom et symbiote suprême. Vous voyez que j'ai pris 3 coups dans la garde. J'ai 11% de santé de partie. Donc là, j'essaie d'intercepter. Encore une fois, j'oublie la borne charge puissante. Et elle me fait un combo, il me reste 35% de vie. J'ai à peu près 10 coups de données dans le combat. Donc, on provoque l'SP, on contre-attaque. Donc, on tient le bloc. On provoque l'SP ou les attaques puissantes. Donc, il reste 18% au combat. Je provoque CSP, je contre-attaque. Donc, une chose qui est intéressante avec Symbiote, c'est ce segment avec le buff Fury, qui le rend intéressant vraiment beaucoup. Mais, puisqu'elle est immunisée au debuff, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce qui met fin au combat. Donc, on tient le bloc. On provoque les attaques puissantes et les SP et on contre-attaque de cette façon. Ensuite, deuxième tableau, nous avons la borne percée sur la ligne 1. Donc, on a vu dans la quête mensuelle la semaine dernière. Ligne 2, immunité étourdissement. Ligne 3, osciller. Et ligne 4, gain de 100%. Les compétences, ça se déclenche 20% plus souvent et réduit les dégâts de 20% en fonction de l'armure. Donc, j'hésite entre la ligne 4 et la ligne 1.
Donc, la ligne 1, il y a un iceberg. Donc, il faut faire attention à sa vague de froid et à 30 000 et plus d'indices, elle peut faire très mal. Donc, je me dis que j'ai un Mephisto qui est immunisé à la vague de froid. Donc, je vais m'en servir, je vais remplacer un de mes dooms afin de être immunisé à vague de froid. Donc, Mephisto a des synergies aussi avec Symbiote Suprême. Donc, je me dis, la ligne 1 est la meilleure option pour moi. Donc, ce n'est pas parce que j'utilise cette ligne que c'est nécessairement la plus facile pour vous. Peut-être qu'il y a d'autres lignes qui peuvent être plus faciles pour vous aussi. Selon moi, c'est la ligne facile du chapitre 1.2. Donc, l'adversaire est immunisé au brise-armure aussi. Donc, je n'ai pas de champion, mis à part Venom et ses attaques puissantes, qui va offrir un brise-armure. Donc, on commence le combat avec Doom. Premier champion sur la ligne, c'est Iron Man Cosmic. Donc, je prends quelques coups. J'oublie de faire parade, je relâche mon bloc trop rapidement. Donc, mais ce n'est pas grave. Donc, il est rendu à 2 barres de pouvoir. On le monte un peu plus que 2 barres précisément. Car au moment qu'il a 2 barres, ce n'est pas assez pour le refaire monter au SP3. Ça prend une petite barre dans le SP3 afin de bien faire la mécanique. Si vous le montez en SP3, c'est tout autant facile. Donc, on recommence la mécanique, on lance un SP3, il reste 13%. Donc, cela mettra fin au combat. Donc, ce qui est bien de la borne percée, plus on frappe, plus on a de coups dans le combat, plus on va faire de dommages. Donc, au début du combat, on ne fera presque pas de dégâts. Mais à la fin du combat, on va commencer à faire beaucoup de dommages. Donc, si vous avez des 5R4, des 4R5, des 5R3, ça peut quand même se faire. Éventuellement, vous allez faire beaucoup de dommages à force de taper. Donc, Mephisto est une très bonne option. Si vous avez d'autres options, laissez-moi le savoir en commentaire. Ça pourra toujours aider. Des champions du Spider-Verse, il n'y en a aucun qui est immunisé à la vague de froid. Dans les symbiotes non plus. Et dans les mystiques, on a Mephisto. Donc, je crois que c'est vraiment la meilleure option. Donc, j'ai fait mon SP3. Quand il a 2 barres de pouvoir, l'adversaire a 2 barres de pouvoir, nous gagnons une aura d'incinération qui va durer tout le combat. Donc, on va monter constamment en SP sans trop forcer. Donc, on a 50 coups de données dans le combat. Il y a 30% de vie de partie. Et avec le gain de pouvoir de Mephisto, on peut lancer quand même des SP2 à répétition. Je crois que le SP2 fait beaucoup plus de dommages que le SP1. Alors, on les lance le plus possible. Donc, on est rendu à 71 brise-armure. Et là, on voit qu'ils ont fait des critiques à 6000. Donc, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Et mon SP2 met fin au combat. Ensuite, le prochain combat que nous avons sur la ligne, c'est Rhino. Donc, le Rhino peut être inarrêtable, peut être imbloquable. Donc, Spider Furtif est l'option à prendre. Quoique Rhino, on peut le passer avec presque n'importe quel champion.
mais ça facilite avec quelqu'un qui a un debuff de ralentissement. Donc, je mets la toile de mousse avec Spidey furtif. Et on provoque les SP. J'essaie de dext pour le debuff, pour notre buff de responsabilité. Et c'est raté. Donc, je lance mon SP2 pour avoir la toile de mousse et être tranquille lors du combat et ne pas me soucier de son hérésité. Ensuite, il faudra lancer un SP1 pour faire beaucoup plus de critiques. Donc, presque toutes nos attaques seront constamment en critique. Et le combat n'est pas plus long que ça. 60 coups dans le combat. Donc, prochain combat maintenant. Nous avons Captain America Infinity War. Donc, j'ai un avantage de classe avec furtif. Ce qui peut rendre Captain America un peu plus difficile à battre, c'est ses déviations. Un peu le même principe que Ant-Man. Donc, lorsqu'il a des buffs d'armure, il dévie plus d'attaques, ses charges cinétiques, excusez-moi. Donc lorsqu'il a ses charges, il peut dévier plus d'attaques, mais on ne s'en soucie pas. Les spéciaux sont faciles à éviter, donc on provoque le SP1, on contre-attaque, on lance notre SP2. J'ai dit que furtif, j'ai l'avantage de classe. Je décide d'y aller quand même avec Venom. Donc, on provoque le SP1, le SP2. Il m'arrive relativement souvent de reculer trop tôt et de prendre son SP2 au visage. Donc, je provoque le SP1 plus souvent que le SP2. Donc, il reste 32% au combat. Et là, il est au SP2, donc je me prépare à bien dexter son SP2. Donc, si on recule trop tôt, on prend le coup et son SP2, comme vous savez, fait très très mal. Donc, le combat se termine. Nous sommes rendus à Groot. Donc, Groot... tout bon champion mystique qui purge va être une excellente option contre lui. Donc, on attaque, on ne se soucie pas de la borne. C'est la borne percée, donc on ne fait que taper. Donc, on provoque le SP1. Nous allons monter très vite en SP3 avec dispersion mystique. Donc, on provoque le SP1. Et on va lancer notre SP3. J'attends aussi qu'il s'appelle Groot pour qu'il ait un maximum de debuff. Notre SP3 va purger tous les buffs et va infliger des dégâts d'énergie. Donc c'est pour ça que j'attends toujours un peu avant de lancer mon SP3 contre Groot. Une autre tactique aussi est de lancer son SP3 lorsque le chiffre sera à 100 sur le petit buff d'araignée. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle exactement. Une fois que le SP3 est lancé contre Groot, on monte rapidement à SP2. Donc, la tactique avec Symbiote Suprême est on lance notre SP3 et on peut lancer des SP2 presque sans arrêt. Donc, jusqu'à la fin du combat. Donc, ça met fin au combat contre Groot. Vraiment facile, sans trop forcer. Et on a Red Skull. Red Skull, je vais aussi avec Symbiote. On va aller purger ses buffs armure. Et on va poser des chancellements à répétition pour lui éviter d'avoir ses armures. Donc, on a 3 buffs de chancellement à présent. Donc, au moment qu'il gagnera une armure, elle sera purgée. Et nous, tout ce que nous avons à faire est de taper, éviter son SP1.
le SP2 se dextre. Est plus difficile par contre à dexter car on a un laser, un cube et un autre laser qui dure un peu plus longtemps. Donc les deux premiers se dextrent plutôt bien, c'est le dernier coup qui est plus difficile à dexter. Donc SP1 de Red Skull, beaucoup plus facile à éviter. Donc on provoque son SP1 plus que son SP2. Donc, je remonte à SP3, je provoque son SP1, et je lance mon SP3. Le combat, je crois, se termine avec ce spécial. Et voilà. Ensuite, nous avons le boss. Le boss qui est Gamora. Gamora, si vous avez... des champions qui infligent des debuffs, prenez-les. Les champions qui font des debuffs et qui font du dommage sur une période de temps est définitivement les personnes à prendre. Donc, immunité aux étourdissements, osciller, donc va avoir un buff fury, un buff d'armure. Les spéciaux sont imbloquables, bouclier puissant. Donc, on ne fait pas de dommages, sauf sur des debuffs qui infligent des dommages sur une période de temps, et nos spéciaux. Les super-pouvoirs bénéficient de 50% de dégâts critiques, et le taux de coup critique est augmenté de 28%, je crois. Donc, j'y vais avec Doom, qui, selon moi, est une des meilleures options à prendre. Donc, parfois, j'oublie que Gamora est immunisé aux étourdissements, donc je lance des attaques puissantes à répétition sans me soucier. Et des fois, j'oublie que je n'ai plus le debuff de décharge. Donc, je suis à 2 barres de pouvoir. Je veux la monter au-dessus de 2 barres et je veux monter en SP3. Aussi, ce qui est important à savoir, je prends son SP2 imbloquable. Ce qui est important à savoir de la borne oscillée, si on lance nos spéciales pendant qu'elle aura son buff d'armure, on fera que très peu de dommages. Donc, Spidey furtif, ses spéciaux vont faire très mal, donc ont un bon taux de coup critique. Donc, c'est une bonne option. Car les spéciaux vont faire très mal. Par contre, nous n'avons pas de debuffs qui font du dommage sur une période de temps. Donc, j'attends que le buff armure passe pour lancer mon SP2. Donc, je lance mon SP2. Aucun coup critique dessus. Donc, je lance mon SP1 pour gagner mon buff de coup critique. SP1 à 24 000, donc ça fait des dégâts. Donc, on continue. Excusez-moi. On continue le combat. Elle est à 78%. Donc, lorsqu'elle a le buff armure de la borne sciée, elle est beaucoup plus passive. Donc, on prend nos distances. On fait attention car nos parades ou nos interceptions risquent de manquer la majorité du temps. Car elle va juste tenir son bloc. Maintenant, je lance mon SP2. Elle le bloque. Déjà qu'on ne fait pas beaucoup, on ne fait zéro dommage sans les SP. ça va un peu moins bien. Donc, 86 coups dans le combat, seulement 25% d'enlevé. Donc, plus le combat avance, et plus je me dis que furtif n'est peut-être pas la meilleure option sur ce combat. Mais, on continue. Le combat va plutôt bien. On est à 100 coups dans le combat. Elle vient d'avoir son buff armure, donc je ne lance pas mon SP2. Donc, je recule quand elle charge.
Je tiens le bloc, je la tape dans la garde en espérant qu'elle va déclencher son esprit. Et là, elle a son buff de furie, provoque le SP1, lance notre SP2. Donc, 55% maintenant. Donc, on continue le combat. 127 coups. SP1, on rafraîchit notre buff critique. Et on provoque le SP1. Lorsqu'elle a le buff armure, bon, elle est très 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 passive, donc elle ne lancera que très rarement ses SP. Mais si nous faisons attaque puissante par-dessus attaque puissante, l'intelligence artificielle s'en rendra compte. Et elle va nous contre-attaquer soit avec un spécial ou soit avec un combo. Donc, 150 coups dans le combat. Reste 36%. Donc, quand je vous dis que de prendre un champion qui a un debuff, qui inflige des debuffs sur une période de temps, comme des segments avec Venom, par contre, par exemple, ou Symbiote Suprême, Doom et ses incinérations, ce sont vraiment les meilleures options. Je continue avec Furtif, car le combat va bien, et je me dis, si une erreur arrive sur mes autres combats, je vais être obligé de réanimer. Donc, je continue avec Furtif, 181 coups au combo. On continue. Donc, il reste 19%. Le combat va très bien. C'est un peu long, par contre. C'est très long, même. Donc, je me lance jusqu'à mon SP2. Je monte jusqu'au SP2. Et en espérant faire beaucoup, beaucoup de dommages, il reste... Et voilà. Il restait 5%. Le combat se termine. Et c'est ce qui met fin à la complétion du chapitre 1. Donc, ça donne des récompenses plutôt intéressantes. Donc, une gemme de rank up, 5 étoiles de 2 à 3 et 1000 éclosis. Chapitre 2 maintenant. Nous avons 4 lignes. Donc, Sorcière Suprême, pas Sorcière Suprême, excusez-moi, Scarlet Witch en boss. Donc, ligne 4, nous avons espace personnel, donc les furies vont s'accumuler lorsqu'on nous sommes près de l'attaquant. Ligne 3, focalisation de pouvoir, donc va monter beaucoup en pouvoir jusqu'à une barre de pouvoir. Super pouvoir 1 imbloquable et 30% plus efficace. Et à chaque 2 secondes, un buff de prouesse sur les SP. Ligne 2, donc les debuffs durent 100% plus longtemps. Et alternateur de pouvoir, donc toutes les 15 secondes, l'attaquant, si l'attaquant a plus de pouvoir, il va échanger avec le défenseur. Donc Doom, vraiment pas une bonne option, si on le monte souvent en SP3, pour cette ligne. Et ligne 1, nous avons Fury, un pourcentage de chance d'activer un boost de Fury lorsqu'il est frappé. Chaque buff, chaque fois qu'un buff est purgé, l'attaquant subit bloc pouvoir. Et les chances de critique sont réduites de 50% pour chaque buff actif sur toi et chaque debuff actif sur l'adversaire. Donc, on fera beaucoup moins de critiques si on a des buffs sur nous et des debuffs sur l'adversaire. Donc, ligne qui peut sembler relativement facile, je crois la ligne 1 et 3 sont plutôt simples. Donc, on a un Korg sur la 3, sur la 4. Donc, je crois que je me lance sur la 1. Je prends le temps de bien explorer, bien voir quelle ligne est faite pour moi. Donc, la ligne 3 semble aussi plutôt simple à faire. Donc, je vais modifier mon équipe. Pour enlever, je crois, Mephisto de mon équipe. Donc, je remets Dr. Doom et je me lance. Je sais pas si vous voyez une erreur que j'ai faite en partant pour le chapitre 2, mais moi, je l'ai bien vu à la fin, rendu au boss. Donc,
nous allons regarder une fois rendu sur Scarlet Witch. Donc, je prends la ligne 3. La ligne 3 est la borne où est-ce que il y a des prouesses à toutes les deux secondes que le défenseur n'est pas tapé. Et SP1 imbloquable. Puis, l'ennemi gagne beaucoup de pouvoir jusqu'à une barre de pouvoir, mais après une barre, il en gagne beaucoup moins. Donc, Doom n'est pas idéal pour cette ligne si on veut faire la mécanique qu'on fait d'habitude. Donc, l'amener à son SP3, faire notre SP1 et avoir un SP2. Les symbiotes dans la variante n'ont pas de super pouvoir 3. Donc, le symbiote cosmique SP1 de Captain Marvel. Donc, SP1 plutôt facile à éviter. Je ne sais pas si on va se rendre à son SP2, car on voit qu'il gagne très peu de pouvoir au-dessus d'une barre de pouvoir. Donc, j'essaie quand même de le monter à 2 barres de pouvoir, mais il en gagne tellement pas beaucoup que j'abdique et je lance mon SP3. Donc, le but sera de monter en SP3, aller chercher notre buff de furie et simplement taper. Donc, il reste 18%. Donc, combat fini rapidement. Donc, le chapitre, je crois que la borne globale, je sais pas si on va la voir, mais change. Soit que c'est mieux pour les champions mystiques, je crois. Donc, on lance le combat. Et je crois que c'est lorsque plus l'adversaire a des debuffs, on va augmenter notre attaque, on va augmenter notre gain de pouvoir. Je crois que c'est cette borne pour le chapitre 2. Donc, il monte très peu en pouvoir, encore une fois. Donc, je m'obstine et je me dis, je vais le monter rapidement au-dessus de 2 barres. Mais je devrais lancer tout simplement mon spécial avant. Donc, on lance notre SP3. De toute façon, on ne remontera pas rapidement. En SP3, on ne réussira pas à voler assez de pouvoir. Donc, ce qui est bien, par exemple, de cette ligne, c'est qu'on n'a pas à se soucier que l'adversaire va monter en SP3, car il monte tellement pas rapidement qu'on peut prendre le temps de taper, sans problème. Donc, il reste 2%, le combat est terminé. Il n'y a pas beaucoup de combats aussi sur la ligne 3. Donc, nous avons le symbiote mystique. Donc, je continue avec Dr. Doom. Donc, on observe quels spéciaux le symbiote mystique va faire. Donc, là aussi, je décide de d'y aller plus rapidement. Donc, on monte directement en SP2. On les lance. Donc, SP1 à Doctor Strange pour les symbiotes mystiques de la variante. Donc, ce qui est bien avec Doom aussi, plus le combat avance, plus on tape, lorsqu'on a notre aura d'Azareth,
on vole du pouvoir en bloc, donc l'ennemi peut a très peu de chances de lancer des spéciaux. Donc, on spam le SP1, on vole du pouvoir, on tient le bloc. Ça nous fait monter en pouvoir lorsqu'on tape. Donc, Dome est vraiment un personnage incroyable. Donc, je monte en SP2. Le combat se termine. Et maintenant, on se dirige vers Vision Arcus. Donc, Vision Arcus, nous avons deux choix de prédilection, selon moi. C'est soit Dr. Doom ou Symbiote, mais Symbiote est de loin le champion le plus adéquat pour Arcus. Je prends quand même toutefois Doom. Je me dis que je vais essayer de purger le moins possible ses buffs pour qu'il puisse ses buffs de gain de pouvoir, pour qu'il puisse monter rapidement à SP3 et que je puisse lancer des SP3 sans cesse. Mais ce n'est pas comme ça que ça se produit, car il ne lance pas, car il ne monte pas assez rapidement, même avec 2-3 buffs de gain de pouvoir. Arcus monte très peu en SP. Donc, un SP3, il est rendu à 65% de vie. Donc, on lance le SP2. Vous voyez, Arcus a 2 buffs de gain de pouvoir et il monte très 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 lentement. Moi, je monte rapidement en SP2, je le lance et le combat est terminé. Maintenant, nous sommes rendus au boss du 2.1 qui se trouve à être Scarlet Witch. Et là, je me rends au combat et je me dis qui je dois prendre. Avant tout, Arcane Torrent, c'est le buff que je vous parlais. Donc, 25% de précision de compétence, 10% d'attaque, durée de debuff de segment, durée de debuff de brise armure, 10% de gain de pouvoir pour chaque buff actif qu'elle aura. Donc, elle a un gain de pouvoir de 100%, les debuffs durent 100% plus longtemps, elle a une agression de cruauté et de prouesse, donc elle va gagner un buff de cruauté et de prouesse à chaque 2 secondes qu'elle ne sera pas tapée. Et elle a le super pouvoir 1 et super pouvoir 2 imbloquables. Donc, je me rends compte que je n'ai pas d'immu poison. Donc, je me lance avec Doom et je croise les doigts pour ne pas qu'elle déclenche son debuff de poison et à peine 5 coups dans le combat, debuff poison. Donc, je provoque le SP2. Mon option est de taper le plus possible afin de faire un maximum de dégâts avant de mourir. Et ce sera ça pour tous mes personnages. Donc, j'étais, je crois, à 80%. J'ai enlevé 15% de vie. Il me reste 14% de vie. Donc, c'est très mal parti pour moi. Je lance mon SP1. Je ne vole pas de pouvoir. Ça, je n'ai pas compris. Je sais pas si c'est un bug. Je sais pas si c'est une compétence de Scarlet Witch. Mais ça me met KO. Nous avons enlevé 21% au combat. Si j'avais une immunité au poison, on aurait pu faire beaucoup plus de dommages. Donc à ce moment-là, je me dis, je ne réfléchis pas, je prends tous mes champions et on essaie de faire un maximum de dégâts. Donc, on tape. On évite les spéciaux. Et 15 coups dans le combat, un debuff de poison. Je ne peux rien faire. Ma vie descend à vue d'œil 2% par seconde. Donc, c'est très rapide. Et avec la borne que les debuffs durent 100% plus longtemps, ça me met automatiquement KO. Donc, on continue avec Spidey Furtif. Je garde ma toile grenade. Donc, grenade assourdissante. Et je me dis, je vais aller placer beaucoup de debuffs. On va faire des gros critiques
mais je perds encore 3% par seconde avec le debuff poison. Mais j'ai réussi quand même à enlever beaucoup. Et 3 debuffs poison. Donc, 26 coups. J'étais full life. Le combat terminé. Donc, maintenant, Venom. Full life. On commence le combat. 5 coups. Debuff de poison encore. Donc, je ne peux vraiment pas l'éviter. Donc, je souhaitais que les debuffs n'arrivent pas immédiatement. Donc, 2 debuffs de poison en ce moment. Donc, vous voyez que ma santé descend à vue d'œil. J'y vais en mode tapage. Et elle monte en SP3. Donc, j'ai... je me dis, je vais voir si je vais... résister à son SP3, évidemment, non. Donc, il me reste Dr. Doom, 73 000 de points de vie à Scarlet Witch. Donc, 3 coups dans le combat, debuff de poison, je ne suis vraiment pas chanceux. Donc, il reste 20% à peine. Et... elle draine mon pouvoir, je ne peux même pas lancer mon SP2. Et c'est fini. Il reste 43 000 de points de vie. Donc, je prends une réanimation à 20% et je croise les doigts qu'elle ne déclenche pas de poison. Donc, jusqu'à présent, elle me donne un buff de furie, un buff de faiblesse. Il reste 2% au combat. Et elle meurt au bout de son sang. Donc, pour le 2.1, apportez une immunité au poison. Car sinon, vous allez passer toute votre équipe. Et vous allez mettre des réanimations. Surtout si vous avez des 5R4 dans votre équipe. Ensuite, le chapitre 2.1, Tornade en boss. Adaptatif, donc surcharge arc, aspect de l'évolution, fléau de puissance, vulnérabilité segment. Donc, surcharge arc, buff d'armure et buff de régénération, adaptatif, augmente la résistance physique et énergétique à toutes les 8 secondes. Aspect de l'évolution, chaque fois qu'elle va remplir une barre de pouvoir, elle va augmenter son attaque. Fléau de puissance, donc les gains de pouvoir est réduit de 15% sur chaque buff actif. Puis, au moment qu'un buff s'active, je perds 25% de ma puissance. Et elle prend 200% de dommages sur la durée de segment. Ligne 1, on a adaptatif, donc alterne entre la résistance énergétique et physique. Les compétences se déclenchent 20% plus souvent. La seule façon de gagner du pouvoir est en tenant le bloc. Donc ça, c'est la borne recharge. Deuxième ligne, on a les mêmes bornes. Troisième ligne, aspect de l'évolution et vulnérabilité au segment. Troisième ligne, surcharge arc, pessimiste et optimiste. Pessimiste et optimiste font en sorte qu'il est plus résistant dans les 25% et les 25%. Dernière ligne, bouclier puissant, spéciaux 400% plus efficace, sinon on fait 0 dégâts. Fléau de puissance qui nous fait perdre 25% de puissance lorsque un debuff s'active et les pouvoirs coûtaient 50% moins cher. Donc, je décide d'y aller. Sur la ligne surcharge arc, je me dis que avec Symbiote et Doom, ça devrait bien aller. Donc, est-ce que c'est la meilleure ligne, la ligne la plus facile? Je crois que la ligne bouclier puissant est une borne plutôt facile aussi. La borne recharge aussi. Peut être plutôt facile. Donc, je lance mon combat Vision
contre Venom, je me dis que j'ai l'avantage de classe. Mais il ne saigne pas, il est immunisé au segment. Donc le combat va être un peu plus long. Je me dis que j'aurais dû prendre probablement furtif pour faire un maximum de dommages. Je lance mon SP1 lorsqu'il a ses buffs de régénération afin que je puisse me soigner. Donc, nous sommes à 81%. Donc, ça va quand même bien. Et, à ce moment, lorsque je combat Vision, je dois m'occuper de mon chien qui veut sortir à l'extérieur. Donc, je suis déconcentré pendant le combat. Je lance mon SP2. Il reste 33% au combat et vous allez voir, j'ai fait pause pour aller m'en occuper. Je reviens. Le chien jappe encore. Vous ne l'entendez pas car il n'est pas sur l'enregistrement. Il reste 25% au combat. Et une petite erreur fera en sorte que ça me mettrait KO suite à un petit déconsentement. Donc, il reste 7%. J'essaie de provoquer son SP2. Donc, je suis encore full life. J'essaie de provoquer son SP2. SP2, je trouve, il est plus difficile à provoquer que le SP1. Donc, je dois attendre, car si je tape quelques coups, il va monter en SP3 et on veut éviter ça. Et voilà, il monte en SP3. Je tape. Et il me reste seulement 12%. J'ai pris 4 coups au combat. Donc, je perds mon Venom au premier combat. Donc, il y a d'autres combats qui viennent. Donc, sans un coup aussi. Donc, Venom n'était pas la meilleure option. Sur Vision. J'aurais dû prendre soit Furtif, soit Dr. Doom. Vous allez voir à la vitesse que ça va aller avec Dr. Doom. Donc, avec Dispersion Mystique, le buff armure, le buff régénération. Une fois qu'il expire, on gagne en pouvoir. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Je lance mon SP2. Et le combat se termine suite aux dégâts d'incinération. Ensuite, deuxième combat, nous avons Écureuillette. Donc, Écureuillette, excusez-moi, qui peut nous infliger des segments et je n'ai pas d'immunité au segment. Donc, je me demande quel champion je devrais prendre. Et si vous avez des champions qui sont immunisés au segment, prenez-les. Donc, j'y vais avec Doom. Je me dis que je devrais faire beaucoup, beaucoup de dommages. Mais j'oublie que Écureuillette, lorsqu'elle nous tape dans la garde, donc lorsqu'on va pratiquer la reparable, elle a des chances, si ce n'est pas 100% de chance, de nous infliger un segment. Donc, je n'ai pas pris un coup. Et je perds 30% de vie suite au segment pris dans la gare. Donc, je manque mon esquive et je prends un coup aussi. Donc, il reste 20% de vie à Doom et elle lui reste 83% de vie. Donc, on intercepte et j'essaie d'intercepter le plus possible aussi. J'essaie de la monter au-dessus de deux barres de SP. Et je lance mon SP3. Donc, il me reste 18% de vie. Je n'ai pris que un combo. Donc, à 46 000 d'indice, les attaques que l'on prend font très très mal et ne pardonnent pas beaucoup.
Donc, je ne me rends pas à mon deuxième SP3. Et je décide de lancer immédiatement mon SP2. Et le combat se termine. Donc, je survis à cette attaque. Ensuite, Mr. Sinister. Mr. Sinister. Ce qui est chiant, c'est on n'a pas de bloc soin. Donc, je ne connais pas soit les mystiques qui infligent des blocs soins, de héros du Spider-Verse et de symbiotes qui infligent des blocs soins. Donc, on y va avec Dr. Doom. Il me reste 18% de toute façon, donc ce n'est pas grave si je perds le combat. Donc, je me lance. J'essaie de monter en SP3. Donc, c'est presque 3% de vie perdue par coup dans la garde. Donc, ça commence à faire plutôt mal. Je lance mon SP2. Et Sinistre, lorsqu'il nous renvoie par son SP1, il nous renvoie tous les debuffs. Donc, si je reçois un debuff de décharge, ce n'est pas trop grave. Je suis immunisé. Mais je ne peux pas lancer mon SP2 s'il lance son SP1, car tous les debuffs d'incinération vont m'être redirigés. Je crois que je le fais quand même, car à 7% de santé, je doute très fort survivre au combat. Donc, je décide de me lancer. Je lance mon SP1, j'ai mes deux buffs de furie. Je lance mon SP1 imbloquable. Donc, il bloque tout. Tout. Donc, aucune incinération. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'était une compétence spéciale à Mr. Sinister. Et je prends le temps de regarder. Pessimiste, optimiste, surcharge arc. Donc, rien de particulier à la borne qui fait en sorte que mes SP imbloquables... il puisse y résister. Donc, si vous êtes au courant, si vous savez pourquoi, laissez-moi le savoir en commentaire afin qu'on puisse éclaircir ce mystère. Donc, il reste 33% au combat. Je lance mon SP1. Et là, je suis plus prudent. Donc, je vais faire mon SP3, je vais aller chercher mes furies et on va simplement taper. Le SP3, aussi, ce qui est bien avec contre Sinister, c'est le SP3 ne sera jamais critique. Donc, il va prendre tous les dégâts et ne régénérera pas sur les dégâts. Donc, le combat se termine. Nous allons passer au prochain. Et le prochain combat est Ronin. Ronin, qui, lui, peut nous infliger beaucoup de saignements aussi. Donc, si vous avez Black Widow clairvoyante, par exemple, ça serait une très bonne option. Très, très, très bonne option pour cette ligne. Donc, on va purger autant les debuffs de régénération, d'armure, mais aussi, nous allons être immunisés au saignement des curaillettes et de Ronin. Donc, j'y vais avec Furtif. Je me dis qu'on va faire beaucoup de dommages. On va aller chercher nos buffs de critique. On va aller taper. Donc, j'ai mon buff de furie. J'ai mon buff. Je vais aller chercher mon buff critique. Et le combat, à partir de maintenant, ne devrait que durer très peu longtemps. Donc, je n'ai plus qu'à taper, faire mes parades, éviter les SP. SP2 de Ronin. Ronin, je trouve plus facile à éviter que le premier SP. Donc, selon vos préférences, vous le montez soit en SP2, soit en SP1. Donc, un deuxième SP2, le combat est terminé. Prochain combat, nous avons Venom le Canard. Et j'y vais avec Doom.
Je n'utilise pas Symbiote Suprême encore, car avec le buff résistance de Tornade, je crois que je vais être en mesure de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, le combat prend un peu de temps à se lancer. Donc, on se rappelle, Optimus, on a un buff gain de pouvoir, d'armure et de furie tant qu'il a, tant qu'elle sera au-dessus de 75% de vie. Et Pessimus, même chose, mais à 25% de vie restante. Et nous avons la borne surcharge arc qui va nous faire monter rapidement en pouvoir et que l'on va pouvoir purger avec notre SP1. Donc, je monte Venom le canard au-dessus de 2 barres de pouvoir. On relance notre SP3. Et on continue la mécanique. Donc, attaque moyenne, moyenne. Légère, légère, légère. Moyenne, moyenne. SP1. Et contre les champions cosmiques, on purge les debuffs. Donc, on monte plus rapidement en pouvoir. Donc, c'est plus facile de lancer 2 SP3 rapidement avec Doctor Doom. Donc, il était à 51%, on descend à 34%. Donc, SP3 qui a fait très mal. On lance notre SP1, suivi de notre SP2, et le combat se termine. Donc, nous sommes rendus au boss, qui est Tornade. Tornade, vous pouvez prendre beaucoup de champions mystiques, mais je crois que le champion idéal est et reste Symbiote Suprême. Donc, on se rappelle, surcharge arc, on va purger les debuffs de résistance, vulnérabilité au segment aussi. Donc, tout porte à croire que Symbiote est le champion idéal. On se rappelle que Tornade, je crois qu'il est aussi immunisé aux étourdissements. Non, elle n'est pas immunisée, donc ça va rendre le combat un peu plus facile. Donc, nos chancellements lui font perdre les debuffs de résistance, donc résistance physique, énergétique, les régénérations. Donc, 20 coups au combo, je suis déjà presque à mon SP3. Je lance mon SP3. Donc, le SP3 fait... c'est une très belle animation, fait en sorte qu'on déclenche nos 3 buffs. Donc, gain de pouvoir, armure et croc sanglant, quelque chose comme ça, qui va faire infliger des gros segments à Tornade. Donc, on la voit, elle baisse à vue d'œil, seulement avec notre SP3. Donc, on a 18 segments actifs. Elle se vide littéralement de son sang après 55 coups. Le combat est terminé. Donc, chapitre 2 complété avec Symbiote Suprême contre Tornade. Maintenant, nous avons toujours une gemme de rank up 2 à 3 générique de 5 étoiles et Meleclusis. Chapitre 3 maintenant. Donc, sur les lignes, nous avons la ligne 1 agile. Donc, la durée d'étourdissement sera réduite de 10% à chaque fois que nous allons faire une parade. Dispersion de flux. Chaque coup porté diminuera notre attaque de 5%. Donc, à 20 coups, nos coups ne feront que 0 dégâts. Et chaque attaque puissante remettra le compteur à 0. Donc, les deux bornes peuvent être difficiles l'une avec l'autre. Donc, peut-être charger une attaque puissante, provoquer l'attaque puissante et répliquer par une attaque puissante. Ligne 2, agile. Donc, chaque fois que le défenseur esquive une attaque, va réduire notre taux de coup critique de 1000 pendant 15 secondes. Et le défenseur, donc la meilleure défense, le défenseur gagne 20% de précision de compétence d'évasion de blocage auto. Et activer évasion blocage auto procure 10% d'une barre de pouvoir au défenseur.
Donc, on a la guêpe, on a MODOK, Spider-Man. Donc, Venom sera une bonne option pour cette ligne. Transfert vital, j'adore transfert vital. Donc, on va dégénérer 2% de vie par seconde. Mais on vole 125%. Excusez-moi, pardon. 125% de vie lorsqu'on porte des coups. Épine psychique. Donc, lorsqu'on fait une attaque physique, on subit 5% de l'attaque du défenseur en dégâts directs. Puis, frapper le défenseur avec une attaque sans contact soigne l'attaquant de 100% des dégâts. Donc, lorsqu'on frappe sans contact, on régénère. Lorsqu'on tape, on régénère 125% aussi. Donc, ça peut être une très, très bonne option. Ling 4. Ling 4. Lorsqu'il est en dessous de 50%, le défenseur gagne 30% de pouvoir. Si une réduction de précision de compétence l'empêche, il va régénérer 25%. Et pour chaque debuff, le défenseur gagne 35% d'attaque et 10% de taux de pouvoir. Donc, une ligne peut être aussi relativement simple, mais nous avons un Mysterio en fin de ligne. Donc, je regarde mes options et je me dis transfert vital est de loin la meilleure option pour moi, pour la ligne facile. Donc, même si nous n'avons pas des champions qui font des dégâts sans contact, nous allons régénérer et on va voir que c'est des bonnes régénérations. Donc, je me lance avec Venom sur le premier combat. Et on voit que l'on dégénère. Donc, chapitre 3. Toutes les symbiotes. On donne 10 coups. On recule. Ça nous fera gagner un buff pendant 10 secondes qui va augmenter notre attaque, je crois. Donc, le SP1 du symbiote mutant est le SP1 du fléau et le SP2 est le SP2 de Magneto. Donc, il est plus préférable de lancer, de provoquer le SP1. Donc, vous voyez qu'on dégénère beaucoup, mais on régénère presque automatiquement à 100% nos dégâts, sans trop de problèmes. Donc, même si je prends le spécial dans la garde, on remonte à 100% et je n'ai pas un champion qui inflige des coups sans contact. Donc, 100 coups dans le combat, je suis toujours à 10 charges et je ne recule pas. C'est la complétion, c'est mon premier chemin. Donc, je ne réalise pas que c'est un tableau fait pour les symbiotes. Donc, j'étais à 30%, je lance mon SP2, je suis remonté à 100% sans aucun problème. Ensuite, prochain combat. Nous avons Black Widow. Black Widow, je me relance, je crois, avec Venom. Et c'est ça. Donc, 10 accumulations. Et ensuite, lorsqu'on recule vers l'arrière, on a un buff calibrage qui augmente qui réduit la précision de compétence du défenseur de 1000% et augmente la durée des buffs de l'attaquant de 100% et les dégâts des attaques puissantes de 500%. Donc, je devrais, une fois avoir fait mes 10 coups, je recule, je tiens le bloc et ça va réduire la précision de 1000 et je devrais faire un maximum d'attaques puissantes car elles sont augmentées de 500%. Et je me lance avec Venom pour tester le tout. Donc, ce qui peut être difficile avec Black Widow, c'est qu'on ne peut pas toujours la parade et Elevade. Donc, puisque ce n'est pas un champion du Spider-Verse,
Venom n'enlève pas ses évasions, n'empêche pas ses évasions. Donc, on voit qu'avec le buff, on a fait beaucoup, beaucoup de segments. Je n'ai pas lancé d'attaque puissante. Et je manque mon SP2. Elle m'évade, me lance son SP1, évade à nouveau. Donc, la dégénérescence fait en sorte que je meurs. Donc, j'y vais avec furtif. On va aller empêcher les évasions avec notre toile de mousse. Stratégie que j'aurais dû prendre au début du combat. Donc, on place notre debuff de ralentissement et on tape. On essaie de provoquer le SP1. Il ne vient pas, donc on le monte en SP2. On contre-attaque, on lance notre SP2. Il reste 30%. Il me reste une cartouche de toile, mais pour le peu de vie qu'il reste, je lance mon SP1 pour augmenter mon taux de coup critique et on va mettre fin au combat de cette façon. Donc, le dernier SP1, il me reste un coup à lui donner et c'est fait. Donc, prochain combat, Dormammu. Dormammu qui est un champion... difficile si on n'a pas Blade, si on n'a pas la torche, par exemple. Mais je me dis que Doom devrait être une bonne option, car je ne fais jamais 5 attaques. Je ne provoque pas de buff, vraiment, à part sur mes SP. Donc, si je ne provoque pas de buff, j'aurai très peu de chance... de subir la dégénérescence de Dormammu. Et avec transfert vital, ça pourra nous aider aussi à régénérer. Mais nous allons essayer d'éviter le plus possible de faire des buffs, exemple, dextérité. Là, je vais avoir une furie. Donc, avant que la furie n'expire, avant la fin du combat, il faudra que je relance un SP3. Ce sera la stratégie à avoir afin que le buff n'expire pas. Donc, si je suis en mesure de lancer mon SP3, c'est qui va se produire maintenant. Donc, je ne perds pas mon buff de furie. Il reste 46% au combat. Il n'a pas lancé de SP. Et le combat va se faire très très bien. Donc, il part de 46% à 33%. Va être étourdi. J'ai mes deux buffs de furie. Donc, je lance mon SP1, je lance mon SP2, et le combat se termine ainsi, sans problème, sans avoir pris la dégénération de Dormammu. Donc, très beau combat. Maintenant, nous avons Emma Frost. Emma Frost qui est immunisée au debuff lorsqu'elle est sous forme diamantée, donc on ne peut pas la parade sous forme diamantée. Je me lance avec Doom, je me dis que c'est une très bonne option. Donc, il faut la monter en haut d'une barre de pouvoir. Son SP1 est beaucoup plus facile à éviter que son SP2. Je la monte au-dessus de deux barres. J'évite son SP1. Je lance mon SP2 en espérant lui lancer des incinérations. Mais avec notre aura d'Azareth, lorsqu'on lance des spéciaux, l'adversaire ne gagne pas en pouvoir. Donc, je me suis fait un peu avoir à ce niveau-là. J'ai lancé trop rapidement mon SP2. Là, j'essaie de relancer mon SP3. Et j'essaie de la monter le plus possible en spécial afin de lui envoler un maximum. Donc, c'est réussi. Je lance mon SP3.
Donc, puisque le debuff étourdissement est passif, même si elle est en forme diamantée, elle serait supposée être étourdie. Donc, je prends quelques coups. Je suis resté sous le choc aussi de qu'elle ne soit pas étourdie. Donc, je prends SP3, automatiquement KO. Donc, j'abandonne le combat. Il me reste un Doom. Donc, je recommence. Et la stratégie sera de ne pas monter en SP3 ou de ne pas la faire monter en SP3. Donc, elle monte en haut d'une barre de pouvoir. On va provoquer, je crois, son SP1. Non, j'essaie de la faire monter le plus haut possible sans lancer de SP3. On lui vole. On lance notre SP2. Et elle va prendre les dégâts d'incinération car elle ne sera pas en forme diamantée. Donc, je suis en SP1, je la fais monter en SP3, je lance mon SP1, je lance mon SP2, elle quitte sa forme diamantée et le combat se termine. Donc, si vous utilisez Doom contre Emma Frost, évitez de lancer votre SP3, car si elle est en SP3, ça fera très mal. Donc, ensuite, prochain combat, c'est Blade. Donc, je continue sur ma lancée avec Dr. Doom. Donc, Blade, plus il a de pouvoir, plus les debuffs durent moins longtemps. On se rappelle la borne transfert vital qui nous fait régénérer sur chaque coup porté 125%. Et l'autre borne qui résistance psychique ou épine psychique qui nous inflige 5% de dégâts mais qui nous fait régénérer 100% des dégâts sur nos SP sans contact. Donc, je ne me complique pas trop la vie. Je monte en SP1, je lance mon SP1. Une fois que j'ai mon SP2, je le lance et je prends le SP2 de Blade qui ne m'inflige aucun segment par chance. Et voyez, je remonte presque à 100% en un seul combo. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Je suis déjà à 100%. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'adore cette borne. Les erreurs sont permises si on n'est pas KO suite à cette erreur. On peut régénérer à 100% sans aucun problème. Donc, il reste 22% au combat. Il n'avait plus son debuff de décharge. Donc, vous voyez que le debuff dure très peu longtemps. Et je lance mon SP1. 5% au combat maintenant. Donc, cette ligne se fait avec n'importe quel champion, vraiment. Si vous avez des symbiotes pour la borne précise du chapitre 3, prenez-les. Et on continue le combat. Donc, je crois qu'il y a un petit bug à ce niveau. Alors, pendant ce temps, le chapitre 3, les symbiotes, donc Venom, symbiote suprême, Spider-Man Cosmic aussi, plus on tape, on va avoir des charges de mystose, on l'a vu tout à l'heure, on recule, on charge notre attaque puissante, on tient le bloc, et on aura une réduction de précision de compétence de 1000% défensivement. 500% d'attaque sur nos attaques puissantes. Puis, ça se résume à peu près à ça. Donc,
Jusqu'à présent, la variante 5 va plutôt bien. On a très peu de ressources mises sur le combat sur les trois premiers chapitres. Et maintenant, il nous reste un combat sur la ligne qui sera Guillotine 2099. Donc, Guillotine 99, je me lance avec Doom, je crois. Avec Furtif, je me dis, je vais activer la toile de mousse. Donc, lorsqu'elle sera invisible, ça ne posera pas problème puisque mes attaques ne pourront pas manquer. Donc, pour infliger ça, pour l'empêcher de devenir invisible, on doit bloquer et chercher notre attaque puissante. Et, jusqu'à présent, le combat va bien. Je me dis que je vais provoquer le SP2 de Guillotine 99, qui est plus facile à éviter. Et ne me fera pas perdre de pouvoir et je me rends compte que le SP2 inflige Spectre. Spectre qui inverse toute régénération. Donc, si je tape, ce que je suis supposé régénérer dégénère. Donc, je n'aurais pas dû provoquer le SP2. Donc, je me dis maintenant, Doom, attaque puissante, on va l'empêcher de devenir invisible. Et les SP vont l'empêcher de devenir invisible aussi. Donc, un coup, inflige décharge, on charge l'attaque puissante et on désactive son invisibilité. On lance le SP1 lorsqu'il est à 3 barres de pouvoir. On lance notre SP2. On ne prend pas de chance. Ça réinitialise le compteur qui fera en sorte qu'elle ne deviendra pas invisible. Donc, SP1, nous avons 2 barres de pouvoir, on le renvoie, et on continue comme ça. Elle est au-dessus de 2 barres de pouvoir, je tiens le bloc car je ne veux pas qu'elle lance un SP2 finalement. Donc, je tiens le bloc, je contre-attaque avec mon SP1, je lance mon SP2. Elle reste 2%. Le combat se termine. Donc, très bien géré avec Doom. Donc, si vous battez contre Guillotine 99, soit arrangez-vous pour qu'elle ne lance pas de SP, ou ne lui faites pas faire son SP2, car il va être mortel pour vous. Spider-Man Symbiote a la borne agile, donc 1000 de coups critiques en moins. Il a la meilleure défense, donc gagne 60% de compétences d'évasion, va lui procurer 30% d'une barre de pouvoir, gagne du pouvoir 50% plus rapidement, transfert cinétique aussi, va faire en sorte que une fois qu'il va toucher notre bloc, va gagner en pouvoir. Donc, je me rappelle que j'ai un symbiote, j'ai 2 symbiotes dans la team, un de KO, il me reste symbiote suprême. Donc, avec symbiote, on va réduire la précision de compétence de 1000. Donc, je monte mes charges à 10. Je recule, je le place, et lorsqu'il lancera son SP, donc il lance, il n'a pas d'évasion, donc je peux continuer. Donc, la stratégie à avoir pour ce combat, c'est ça. Ou Venom, tout simplement, va éviter les évasions. Donc, puisque je n'avais pas le buff actif, il a son buff sans araignée. Donc, il va pouvoir éviter. Je lance mon SP3. Comme ça, je suis sûr à 100% qu'il n'évitera pas cette attaque. Et on a 15% d'effet sur le combat. Je provoque son SP2.
il évade, il gagne du pouvoir. Donc, je suis à 8 charges. J'ai 6 buffs de fatigue. Donc, une fois que le buff évasion va être passé, lorsqu'il lancera CSP, il ne pourra pas, il ne gagnera pas son buff. Mais mon buff expire. Donc, il lance, se retrouve encore avec son buff d'essence d'araignée. Je prends une attaque puissante en plein visage. Donc, il lance très souvent CSP et je prends les coups dans la garde. Il me reste 3%. Je lance mon SP3 et je croise les doigts que nous allons réussir le combat sans prendre le KO. Donc, je provoque le SP2. Il évite. Je prends un coup et c'est KO. Donc, j'ai décidé de continuer avec Doom puisque je suis full life avec lui. Mais je ne pourrai pas contrer son sens d'araignée. Excusez-moi. Donc, je me dis que la stratégie sera un coup, décharge, attaque puissante. Et là, je manque ma mécanique. Je lance mon SP1 quand il est à terre. Donc, j'aurais simplement dû juste lancer mon SP1 avant mon attaque puissante. Et le combat aurait bien été. Là, mon équipe complète est KO. Je me dis, je recharge mon Spidey. Toile de mousse, comme ça, nous allons éviter toutes ces évasions. Donc, stratégie plutôt bien pensée. Donc, avant qu'il active la toile de mousse, avant qu'il lance son SP, je lance la toile de mousse. On provoque le SP2. Il n'évade pas. Jusqu'à présent, ça va très bien. Ce que je ne pense pas, c'est qu'il prend très cher dans la garde. Et 66 000 d'indices fait très 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 mal dans la garde. Donc, je lance mon SP2. Je provoque le sien. Et je tente l'interception, il recule, me contre-attaque. Donc, KO directement. Et là, je me dis, la meilleure option, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, c'est Venom. Venom qui empêche toutes les évasions des champions du Spider-Verse. Donc, je n'ai même pas à me soucier de ces évasions, même avec son sens d'araignée. Donc, je parade, je tape, petite réanimation à 20%, provoque le SP2 et le combat se termine. Donc, c'est ce qui met fin au chapitre 3.1. Maintenant, il reste le 3.2 et nous avons fini la complétion de la variante. Donc, prochain chapitre, nous allons voir Venom en boss. Donc, on regarde 87 000 d'indices. Super pouvoir 2, amélioré, énergisé, 100% de gain de pouvoir, 40% de durée de debuff, 95% de chance d'échouer les purges de notre adversaire, réduit les dégâts de 20%. Donc, il va monter rapidement en pouvoir, il faut éviter son SP2. Donc, ligne 1, abuser des faibles, le défenseur gagne 5% de son pouvoir chaque fois qu'un buff sur l'attaquant est purgé, expiré ou retiré. Donc, une fois qu'on utilise Dex, il va gagner 5% de son pouvoir. Et chaque fois qu'on sort de la portée de frappe, il va gagner un buff de gain de pouvoir. Donc, probablement, Magic serait une bonne option pour cette ligne. La deuxième ligne, 95% d'échouer les purges, agression furie et régénération. Donc, chaque 2 secondes, il aura un buff de furie et de régénération.
Donc, ligne 2 peut très bien se faire. Il y a quelques combats qui peuvent être difficiles, comme Aja Venom et Black Panther Civil Warrior. Donc, ligne 3. Ligne 4, nous avons gain de pouvoir amélioré. Donc, nous avons des défenseurs qui sont plutôt difficiles. Et ligne 5, métabolisme rapide. Donc, les debuffs sont ignorés beaucoup plus rapidement. Donc, je me dis, ligne 3 est la meilleure option. Selon moi, la borne est la moins difficile. On va aller la découvrir à l'instant. C'est survivre plus longtemps et les durées de buff sont plus longues. Donc, il résiste 20% mieux aux attaques et les buffs du défenseur durent plus longtemps. Donc, rien de trop extraordinaire. Donc, premier combat, je me lance avec Venom. Et je suis à 10. Je charge mon buff. Et je ne fais toujours pas d'attaque puissante. Donc, ce sera lors de mon exploration que je vais découvrir les attaques puissantes avec ce buff, car il aura 500% d'attaque sur l'attaque puissante. Donc, je lance mon SP2. Alors, on provoque le SP1 de carnage. Du moins, on essaie. Et il monte en SP2. Donc, on continue le combat. Donc, on lance notre SP2. Nous avons nos 10 charges. Il reste 27% au combat. Donc, le meilleur moment, je crois, c'est lorsqu'ils lancent leur SP. On recule et on tient le bloc pour charger le buff. Donc, on tombe dans la section assassin. Donc, le combat ira beaucoup plus rapidement. Donc, il reste 4%. Quelques coups, le combat est fini. Même pas, il meurt au bout de son sang. Donc, prochain combat, nous avons une latence. Donc, la borne principale de la ligne survit plus longtemps et les durées de buff sont plus longues. Donc, prochain combat, Star-Lord. Donc, excusez-moi pour mon accent semi-anglais et français. Donc, Star-Lord, même combat, même principe. Nous y allons avec Venom. Donc, on charge le buff et on tape. On réduit la précision de compétences défensives de 1000. On provoque le SP2. Donc, on se lance, on a des critiques à 4000, 3000, 4000. Donc, ça va bien, nous avons l'avantage de classe. Alors, on lance notre SP3. Et on espère mettre fin au combat plutôt rapidement. Donc, l'animation du SP3 de Venom est quand même très très cool. Mais ne fait pas assez de dommages selon moi. Donc, on tombe dans la section assassin. Le combat se termine suite à tous nos segments. Ensuite, nous avons Colossus. Colossus, nous allons purger ses debuffs avec Symbiote ou Dr. Doom. Donc, Dr. Doom, le SP1. Symbiote suprême directement au début du combat avec sa compétence qui fait en sorte qu'il va purger tous les debuffs.
je décide d'y aller avec Doom. Donc, on va purger les debuffs avec notre SP1. Donc, rien de spécial sur cette borne en particulier, là. Donc, on tape, on purge les debuffs, les buffs de notre adversaire. Et Colossus est immunisé aux incinérations. Donc, si je fais un SP2, il va faire mal, mais seulement à cause de la puissance du SP2 et non des incinérations. Les incinérations, par contre, vont lui donner des armures qui feront en sorte que je pourrai les purger et monter plus rapidement en SP3. Donc, je lance mon SP3. Je vais chercher mes deux furies qui feront en sorte que le combat va être réduit considérablement car il fait très mal à deux furies. Donc, on continue, on fait notre mécanique. On lance notre SP1, nous sommes rendus à deux barres de SP, on lance avec nos deux furies, et on fait zéro critique malheureusement, sinon ça aurait mis fin au combat. Donc, combat est terminé, sans trop de difficultés. On continue sur la ligne, nous avons Ghost, donc Fantôme n'est pas un champion très difficile à vaincre en défense. Donc, on se lance Brise Armure pour lui éviter qu'elle devienne invisible. Donc, qu'elle se dématérialise. Et je prends son SP1 au visage. Mais je continue. Je n'abandonne pas. Donc, on provoque le SP1. On tape. Je prends mon buff. Mais je ne fais toujours pas d'attaque puissante. Mais pourtant, je devrais. Ok. Le combat, il reste que 3%. Donc, le combat se termine. Ensuite, nous avons Hyperion. Et il ne reste que deux combats, je crois. Donc, Hyperion, Symbiote Suprême est un très bon choix contre lui. Doom aussi. Donc, j'y vais avec Symbiote car c'est un symbiote et il est utile pour le chapitre. Le chapitre 3. Donc, on purge les debuffs. Et on va lancer notre SP3 immédiatement. Donc, Doom, Symbiote, les meilleures options selon moi contre Hyperion. On va, Doom va voler les debuffs de gain de pouvoir. Symbiote va les supprimer. Mais une fois qu'on lance des SP2, on se ramasse presque toujours en SP2. Donc on ne fait que les lancer. Nos segments ne font que s'accumuler. Nous sommes à 16 segments. Donc c'est vraiment des gros dommages. Et le combat se termine très rapidement. Donc, maintenant, nous avons Femme Invisible. Donc, Femme Invisible, puisque je n'ai pas Nick Fury et que je ne peux pas apporter Nick Fury sur la variante 5, Spider-Man Furtif est une très bonne option. Venom aussi peut l'être, car une fois qu'elle va être sous l'effet de segment, elle va perdre son champ de force. Donc, je m'essaie avec Venom en interception. Je ne réussis pas. Donc, Spider-Man furtif maintenant avec la toile de mousse va faire en sorte que
nous ne pourrons pas manquer nos coups. Donc, je dois attendre que la première invisibilité passe. Et on va placer notre debuff de toile de mousse. Là, elle est tombée invisible trop rapidement. Donc, je n'ai pas pu placer le debuff. Donc, je vais monter en SP2. Et je le lance pour placer mon debuff. Donc, maintenant, je n'ai plus à me soucier de son invisibilité. Donc, on tape. Et je vais aller lancer mon SP1 pour mon buff critique. Elle va retomber invisible. Comme vous pouvez constater, on contre-attaque. On ne se soucie même plus de son invisibilité. Tout va bien. On rafraîchit le debuff de ralentissement. On continue d'attaquer. On provoque les SP. On les évite. Donc, rien de spécial. On se rappelle que les buffs durent plus longtemps sur la borne globale. Et c'est tout. Donc, le combat se termine très, très bien. Donc, maintenant, nous arrivons à Venom. Donc, je vous présente la petite aveugle qui crie depuis tout à l'heure. Donc, Venom a 50% de gain de pouvoir, 100% de gain de pouvoir, SP2 imbloquable, durée de buff 40% plus longtemps, chance de purge réduite. Donc, on lance le combat et... Comme vous voyez, on ne purge pas les debuffs, mais ce n'est pas trop grave, car on a quand même 5% de chance de les purger. Donc, si on réussit à en purger, on va monter en pouvoir avec dispersion mystique, comme là, nous sommes déjà en SP3. Donc, on provoque le SP1, on lance notre SP3, on va essayer de purger certains debuffs. Certains buffs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout le temps purger des debuffs, mais c'est purger les buffs de l'adversaire. On monte à SP2. Je peux le lancer. Donc, je lui vole du pouvoir. J'en gagne. Je remonte à SP2. On le lance à nouveau. Je remonte pratiquement automatiquement en SP2. Donc, là, je remonte à SP3. Je le lance. On recommence. Et on continue le combat. Donc, en SP2, je le lance, on vole le pouvoir, et je retombe en SP2. Donc, il lance son SP1, je lance mon SP2. On remonte encore en SP2, je le relance, mais dans sa garde, je croyais qu'il allait me charger. Mais ce n'est pas grave. On est rendu dans la section assassin, donc... Je provoque son SP1. Je n'attends plus, je crois, le SP3. Oui, je l'attends. Et on provoque le SP1 une dernière fois. Je lance mon SP3. Et le combat va être presque terminé. Donc, avec Symbiote Suprême, Venom ne fait pas long feu. Donc, je lance mon SP2. Et le combat est terminé. La variante est complétée. Donc, si vous avez les bons champions pour le premier chemin, très peu de ressources sont nécessaires. Donc, choisissez vraiment les lignes qui sont faites pour vous. Personnellement, les lignes que j'ai prises sont les plus faciles pour moi. Nous avons des belles récompenses. 3000 éclosis, 1 kata TB5. 10 000 éclats, 5 étoiles, une gemme de rank up, de 4 à 5 de classe. Donc, je crois que nous allons les ouvrir à l'instant. Donc, comme je vous dis,
Choisissez la ligne qui vous convient le mieux. Les lignes que j'ai choisies, pour ma part, sont ceux qui me semblent le plus facile pour moi. Et ça l'a quand même très bien été. Pensez à un immunité poison pour Scarlet Witch en boss, sinon ça peut vous coûter cher. Donc, Magemme de Rank Up, c'est une gemme virtuose. Là, j'ai Nick Fury et Aegon déjà en rang 5. Donc, je vais aller voir qui j'ai à monter en rang 5. Donc, les personnages que j'ai en virtuose, j'ai Gwenpool, Killmonger et Blade que je peux monter rang 5. Donc, selon vous, j'ai Moleman aussi qui peut être un défenseur obstiné, écureuillette. Donc, entre Moleman, écureuillette, Gwenpool, Killmonger et Blade, selon vous, quel champion monteriez-vous rang 5? J'attends le prochain gain de niveau pour le monter. Donc, laissez-moi le savoir. C'était Alex et Mia, la petite chienne aveugle. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions pour la complétion, pour l'exploration de la variante.